Hey, bonjour à tous les amis, c'est Brazy, votre gamer favori. Donc on se retrouve pour la boutique du jour de Fortnite, donc la vidéo de la boutique du jour de Fortnite, donc du 8 juin 2023, donc avec à la une le retour des super-héros. Personnalisez votre héros donc avec en légendaire Electrochoc, la championne des vents solaires, fait partie ensemble Aucune Limite, saison 4, chapitre 2. Donc il y a 5 custom, et après créez votre propre héros avec plus d'une dizaine d'éléments à personnaliser. Remarque, tenue désactivée dans les modes compétitifs, donc avec Electrochoc et son déguisement qui est son émoticône atypique. Le signal du héros, c'est l'émote légendaire, donc elle est en tenue légendaire, tout ça pour 800 V-Bucks. Ensuite, nous avons Magnetica, elle est là où votre volonté vous guide, donc elle aussi, c'est un custom, une dizaine de possibilités de tout changer, pour changer la couleur des cheveux, du motif, la tenue, les yeux, donc il y a tout à personnaliser, donc le départ avec son 5 custom, avec la mouche qui est son émoticône, et le signal du héros qui est son émote légendaire, tout ça pour 1800 V-Bucks également. Boutefeu en tenue légendaire, un danger plus grand encore que les trous noirs, donc avec ses 5 custom. Son acre, c'est son émoticône. Le signal du héros, c'est son émote légendaire, tout ça pour 1800 V-Bucks. Polarité en tenue légendaire, suivez la véritable étoile avec sa toile qui est son émoticône et le signal du héros qui est son émote légendaire pour 1800 V-Bucks. Rétroaction en tenue légendaire, lancez votre contre-attaque, pardon, avec son cauchemar qui est son émoticône. Le signal du héros, c'est la petite émote légendaire, tout ça pour 1800 V-Bucks. Voltage, donc il déborde toujours d'énergie avec son cyclo rouge qui est son émoticône et le signal du héros qui est sa petite émote légendaire pour 1800 V-Bucks, donc il est en tenue légendaire également. Pister en tenue légendaire, il trouve toujours sa proie avec son araignée redoutable qui est son émoticône. Le signal du héros, bien évidemment, l'émote légendaire pour 1800 V-Bucks. Envol, 3, 2, 1, vous connaissez la suite. Donc voilà, avec ses 5 custom, la dizaine d'éléments à personnaliser. Le subatomique, c'est son émoticône atypique. Le signal du héros, c'est son émote légendaire. Tout ça pour 1800 V-Bucks également. Hypersonique, en tenue légendaire, toujours le premier sur la scène de crime. Avec son ansa rangé qui est son émoticône. Le signal du héros, bien évidemment, l'émote légendaire pour 1800 V-Bucks. Itinérant, tenue légendaire, incontrôlable et imprévisible. Avec son super canard qui est son émoticône. Et son emote signale du héros légendaire pour 1800 V-Bucks, hein, tenue légendaire, donc l'étrange choc, voilà donc tous les super-héros. Ensuite, vous avez le pack d'équipement de héros, donc avec le faisceau qui est l'outil de collecte épique, avec ses 3 customs. L'émoticap, c'est des accessoires de dos rares. L'hologramme dorsal, un autre accessoire de dos rare. Le cyclo bleu, l'émoticône. Et le gâteau, une autre émoticône, tout ça pour 1400 V-Bucks. Hors pack, vous avez donc l'émoticap, l'accessoire de dos rare avec le cyclo bleu émoticône pour 400 V-Bucks. Le faisceau éthéré, sur le petit collet épique pour 1200 V-Bucks. L'hologramme dorsal, accessoire de dos avec le gâteau émoticône pour 400 V-Bucks également. Donc voilà, pack et hors pack. Ensuite, vous avez le retour de Miaouliske le cartoon. Un Miaouliske le cartoon en tenue rare. Les chats adorent se cacher dans les cartoons. C'est parti ensemble les dessins animés. Saison 6, chapitre 2. Avec sa boîte en conserve qui est son accessoire de dos rare, l'alter mastoc c'est son petit squelette rare, le drop-in c'est sa petite musique rare, le chat qui déchire c'est l'écran de chargement atypique et flexion féline c'est l'emote, tout ça pour 1700 V-Bucks. Encore pas, vous avez Mialuske Cartoon en tenue rare avec son ton en conserve qui est son accessoire de dos rare et flexion féline qui c'est son emote série icône. Pour 1400 V-Bucks, l'alter mastoc c'est son outil de collecte rare pour 800 V-Bucks. Le drop-in c'est la petite musique donc rare pour 200 V-Bucks. Voilà, ensuite vous avez soigné, avoir du style c'est tout sauf être facile, fait partie ensemble mode mouvante, saison 1 chapitre 3, style au choix, donc vous avez deux custom, c'est une tenue atypique pour 800 V-Bucks. La batte branchée c'est son outil de collecte donc pour 500, ne battez que si votre style vous convient, la battez que si votre style vous convient, donc c'est son outil de collecte atypique pour 500 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez le retour du pack Aurélia avec Aurélia en tenue hippique avec ses deux customs. Être un trésor, télé la mission sacrée, fait partie ensemble Revanche de Midas, saison 6, chapitre 2. Voilà. Avec son sol d'oro qui est son accessoire de dos épique. Son fléau fautif, c'est son outil de collecte épique. La malédiction de sol, c'est son vêtement rare. Et offrande, c'est grand chargement atypique, tout ça pour 2200 V-Bucks. Hors pack, vous avez donc Aurélia en tenue épique avec son sol d'oro qui est son accessoire de dos épique pour 1500 V-Bucks. Le fléau fautif, c'est son outil de collecte pour 1200 V-Bucks épique également. Malédiction de sol, c'est le revêtement d'armes rare pour 500 V-Bucks. C'est son revêtement d'armes, pardon. Ensuite, vous avez Oro, pardon, en tenue légendaire et sa cape radieuse qui sont un accessoire de dos légendaire également. Donc, il fait partie du même ensemble pour 2000 V-Bucks. Skellon, c'est le planeur légendaire pour 1500 V-Bucks également. Voilà. Donc, pack et hors pack. Ensuite, vous avez le retour du tireur fou. N'ayez pas peur de la folie. Saison 2, chapitre 2. Pour 800 V-Bucks, une tenue atypique.
Goupil, en tenue rare, il est plus rusé, saison X, premier chapitre, fait partie de l'ensemble fourrure de guerre, avec son sac à renard qui est sans accessoire de dos rare, tout ça pour 1200 e-bucks. Ancre, elle revient des profondeurs, c'est un outil de collecte épique, saison 1, chapitre 1, pour 1500 e-bucks. L'heure du thé, c'est une petite emote atypique, rien d'autre n'a d'importance, pardon, saison 6, chapitre 2, pour 200 e-bucks. Allez les aliens, l'humanité a déjà perdu, fait partie de l'ensemble OVNI, saison X, premier chapitre, pour 200 e-bucks, il y a encore une emote atypique. Corne de brune, encore une emote atypique, saison 7, premier chapitre, un son doux et agréable, pour 200 e-bucks, voilà. Ensuite, vous êtes sur le pack de quête. Le pack de quête gain de niveau de la Capitaine Hepatie, excusez-moi. Donc, obtenez la tenue Capitaine Hepatie à l'achat et accomplissez les quêtes de Mander pour gagner jusqu'à 28 niveaux et déverrouiller des récompenses cosmiques. Accomplissez les quêtes en obtenant des jetons de gain de niveau dissimulés sur la carte chapitre 2 avant la fin de la saison 2. Chaque semaine, je vous rappelle que c'est demain la fin de la saison, hein, vous n'avez plus qu'aujourd'hui. Chaque semaine, des nouvelles quêtes deviennent disponibles et peuvent être accomplies jusqu'à la fin de la saison le 9 juin. Donc jusqu'à demain. Accomplissez les quêtes pour déverrouiller chaque semaine un niveau entier sous forme d'XP par jeton. Semaine 1, l'accessoire de dos 14-3. Semaine 2, le revêtement sol, soleil écarlate. Semaine 3, la pioche coupeuse cométaire. Et semaine 4, le style armure pour la tenue Capitaine Hepatie à partir de... Donc voilà, tout ça c'était déjà disponible. Donc normalement vous avez tout ça si vous avez acheté le pack. Donc vous accomplissez toutes les quêtes 28 au total pour déverrouiller toutes les récompenses cosmiques. Donc voilà. Et vous avez jusqu'à demain, donc voilà, ça a commencé le 3 mai jusqu'au 9 juin, donc jusqu'à demain. Donc demain, je vous rappelle que nous passons à la saison 3. Et après la fin de la vidéo, je vous donnerai, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo, je vous donnerai quelques infos que j'ai réussi à avoir sur le net, bien évidemment, avec demande de confirmation, mais certains sont déjà confirmés quasiment. Donc ensuite, vous avez l'ensemble champion académique avec les détentes dégourdies. Choisissez l'option qui apporte le plus, donc sans tenue épique. Vous avez 17 parties personnalisées. Lisable, choisissez le type d'ombre, cartoon dégradé ou contour ou dégradé. Donc tout ça, vous pouvez tout changer, tout ça pour 1500 e-bucks. La preuve des partiels, donc c'est en tenue hippique également. Donc c'est toujours le même ensemble, plus que préparé pour les examens. Donc pour 1500 e-bucks avec ses 17 customs. Le combattant du cursus en tenue épique, jamais plus allège quand il est au tableau, donc tout simplement lui aussi pareil avec ses 17 customs. La bachoteuse bornée, donc c'est en tenue épique, rien ne vaut le frisson de la dernière minute, donc également pareil avec ses 17 customs pour 1500 e-bucks. L'athlète académique, ses meilleures notes en sport bien sûr, donc lui aussi est en tenue épique et ses 17 customs pour 1500 e-bucks. Voilà. Ensuite, vous avez la déesse des diplômes, c'est toujours le même ensemble, donc en tenue épique, elle a déjà écrit son discours de la remise pour 1500 e-bucks, donc avec ses 17 customs. Le délégué diligent, le plus populaire de toutes les années confondues, donc lui aussi pareil, avec ses 17 customs pour 1500 e-bucks. La rivale rebelle, donc brillante mais un peu outrancière, en tenue épique également, pareil, avec ses 17 customs pour 1500 e-bucks. Le sorcier studieux, en fin de cycle, mais toujours en première ligne, donc épique, 1500 e-bucks, pareil, c'est le même ensemble, 17 customs. La commandante du campus, en tenue épique pour 1500 e-bucks, présidente des clubs les plus populaires, donc avec ses 17 customs également. La déesse des diplômes, non, on vient de la voir déjà, pardon. Ensuite, vous avez champion 8 bits, c'est leur accessoire de dos rare pour 400 e-bucks. L'écoute-la scolaire, c'est leur outil de collecte rare pour 800 e-bucks. Et le porte-bannière, c'est leur vêtement d'armes rare pour 500 e-bucks. Donc tout ça, c'est toujours du même ensemble. Ensuite, vous avez toujours le pack machine intelligente avec variable en tenue épique. Avec glitch en tenue épique également et ses 5 customs. La trancheuse de code, c'est leur outil de collecte rare. Les coupe-signaux, c'est un accessoire de dos épique. L'autre électropano, c'est un deuxième accessoire de dos hippique également. Et les trois vêtements d'armes rares, Lumioscan, Protovague et Circuit Fermé, tout ça pour 2400 e-bucks. Alors pas que vous avez variable avec son électropano qui sont accessoires de dos, donc en tenue hippique et son accessoire de dos hippique, avec sa Protovague qui sont en vêtements rares, tout ça pour 1500 e-bucks. Glitch en tenue hippique avec son coupe signaux qui sont accessoires de dos hippique également. Et Lumioscan sont vêtements rares, tout ça pour 1500 e-bucks. La trancheuse de code, la tenue de collette rare pour 800 e-bucks. Voilà, avec les différentes customs. Ensuite, vous avez camouflage à bulles, un revêtement rare. Fait partie de l'ensemble poissonnerie saison 1, chapitre 2. Il est animé pour 500 e-bucks. Décharge fluo, donc fait partie de l'ensemble soleil arc-en-ciel saison 1, chapitre 2. Il n'a rien de spécial, il est atypique pour 300 e-bucks. Viridienne, c'est un petit revêtement atypique encore saison 1, chapitre 4. Donc il n'y a rien de spécial pour 300 e-bucks. Rayon givré, encore un revêtement atypique. Donc royaume des glaces. Partie de l'ensemble Royaume des Glaces, saison 1, chapitre 2, pour 300 e-bucks également. Or fondu, saison 4, chapitre 2, il est animé, il est rare, revêtement, pour 500 e-bucks. L'ambre solide, donc encore un revêtement atypique, saison 4, chapitre 2, il n'y a rien de spécial pour 300 e-bucks. Chasse au loup, revêtement rare, donc il fait partie de l'ensemble Petit Chaperon, saison 1, chapitre 2, il est animé pour 500 e-bucks. Le Zéro Rendieux, saison X, il fait partie de l'ensemble Point Zéro, saison X, premier chapitre, il est animé.
les revêtements rares pour 500 V-Bucks. Le flux angulaire, donc, disponible depuis la saison X, premier chapitre, est animé également, il est rare pour 500 V-Bucks. Le premier crépuscule, saison 1, chapitre 3, donc, il est animé également rare pour 500 V-Bucks. Le lama champion, revêtement rare, saison 1, chapitre 2, il est animé, chapitre 3, pardon. Il est animé pour 500 V-Bucks également. Trochu, donc atypique, saison 7, chapitre 2, pour 300 V-Bucks. Acquisition de cibles, revêtement rare, donc saison 8, chapitre 2. Il est animé et réactif, donc il y a les deux. Hein. Je vous rappelle que réactif, c'est quand vous éliminez un joueur, il est animé normalement, donc vous voyez, les petits symboles, ils tournent. Et quand il est réactif, quand vous tuez un joueur, donc il s'illumine. Donc voilà, tout ça pour 500 V-Bucks, il est rare également. Le revêtement rare encore, encre digitale, saison 8, chapitre 2, il est juste animé pour 500 V-Bucks. Pas enfin, juste, ils sont animés, hein, et voilà. Donc on vient tous les faire. Ensuite, vous avez le pack WiiWare avec Gassure en tenue rare, avec sa planète WiiWare qui sont accessoires de dos rares. La Swaggeuse en tenue rare avec son Witang représenté qui sont accessoires de dos rares également. Les mains Witang, c'est l'émoticône atypique. Et le style Witang, c'est l'écran de chargement atypique également, tout ça pour 1600 V-Bucks. Ensuite, vous avez le pack d'équipement de WiiWare avec Witang pour toujours, c'est une petite emote. Le protège-cou, c'est outil de collette rare. La tagueuse triomphale, un deuxième outil de collette rare. Le disque Sony, c'est un petit planeur rare également. Le revêtement, c'est un revêtement atypique. La bannière, elle est atypique également. Et l'aérosol Radio Cassette View est atypique aussi. Donc, tout ça pour 1600 V-Bucks. Hors pack, donc vous avez Gassure avec sa planète ouverte qui sont accessoires de dos pour 1200 V-Bucks. La Swaggeuse avec son Witang représenté qui sont accessoires de dos également. Rare pour 1200 V-Bucks également. Le disque Sony, le petit planeur rare pour 800 V-Bucks. La tagueuse triomphale, l'outil squelette rare pour 800 V-Bucks. Le Witang pour toujours, c'est l'emote atypique pour 300 V-Bucks. Le protège-cou, l'autre outil de collette rare, qui part toujours ensemble, WiiWare, hein, pour 800 V-Bucks. Et le Wii-Vêtement, c'est le vêtement d'armes rare pour 300 V-Bucks. Donc voilà, pack et hors pack. Ensuite, vous avez tout ceci, donc c'est les emotes série icônes, saison 1, chapitre 4 pour 500 V-Bucks. Master of Puppets, saison 1, chapitre 4, emote synchronisé pour 500 V-Bucks. Vous pouvez en faire plusieurs, saison. Ensuite, vous avez Shoot, saison 1, chapitre 4, une mode synchronisée également, vous pouvez en faire plusieurs pour 400 V-Bucks. My AI, donc c'est une petite emote, tout simplement, saison 4, chapitre 3, pour 400 V-Bucks. On rebondit, on cligne, on s'impenche, saison 1, chapitre 4, encore une emote pour 500 V-Bucks. Get Ready, saison 6, chapitre 2, et mobile pour 500 V-Bucks. Crazy Boy, gardez le cœur pur et n'abandonnez jamais, saison 2, chapitre 2, pour 500 V-Bucks. Jingle Bell, saison 3, chapitre 3, donc pour 500 V-Bucks également. Dans ce Monkey, saison 1, chapitre 3 pour 300 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez I Like to Move It, saison 1, chapitre 2. Chapitre 3, pardon, pour 500 V-Bucks. Tootsie Slide, saison 2, chapitre 2 pour 500 V-Bucks. Je n'abandonne jamais. Je ne serai jamais tombé, saison 1, chapitre 2 pour 500 V-Bucks. Palatéral, saison 4, chapitre 3, les mobiles pour 500 V-Bucks. Renegade, saison 3, chapitre 2 pour 500 V-Bucks. Allégresse, saison 1, chapitre 3 pour 500 V-Bucks également. Bon sang, saison 2, chapitre 3 pour 300 V-Bucks. Ne l'oublie pas, saison 3, chapitre 3 pour 500 V-Bucks. Chauffe-moi, saison 4, chapitre 3 pour 300 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez Pistolero Poseur, saison 1, chapitre 4 pour 500 V-Bucks. Gangnam Style, saison 5, chapitre 2 pour 500 V-Bucks. Dégage, saison 1, chapitre 3 pour 500 V-Bucks. Ressent le flow, saison 4, chapitre 3 pour 500 V-Bucks également. Say So, saison 4, chapitre 2 pour 500 V-Bucks. Swizz, saison 4, chapitre 2 pour 500 V-Bucks. Bim Bam Boom, saison 7, chapitre 2 pour 500 V-Bucks. Eino, saison 7, chapitre 2, c'est une mode synchronisée pour 500 V-Bucks. Honda Honda, saison 6, chapitre 2 pour 500 V-Bucks également. Ensuite, vous avez Lueur Festive, saison 7, chapitre 2 pour 200 V-Bucks. Gros Câlin, saison 7, chapitre 2, donc, qui est l'emote synchronisé pour 200 V-Bucks. Ensuite, vous avez le pack en avant, la musique, avec Mélodie, saison 7, chapitre 2, style au choix et réactif. La tenue s'illumine et change de couleur en fonction de la musique, donc en tenue rare pour 1200 V-Bucks. Harmoniste, c'est le même ensemble dans tenue rare pour 1200 V-Bucks. Et également la même chose, donc la tenue s'illumine. Le passe-band, tenue rare pour 1200 V-Bucks, c'est le même ensemble. Prodige de la pop, en tenue rare pour 1200 V-Bucks. L'amplitude, donc, tenue rare pour 1200 V-Bucks. Réverbération, tenue rare pour 1200 V-Bucks. C'est toujours le même ensemble. Syncopeur, tenue rare pour 1200 V-Bucks avec la tenue qui s'allume. Prince des percus, tenue rare pour 1200 V-Bucks. Cinglé du synthé, tenue rare pour 1200 V-Bucks. Atténuateur, tenue rare pour 1200 V-Bucks. Voilà. Ensuite, donc, vous avez leur pack
Pack volume à fond, donc avec Anthony Rare, Mélodie, Passband, Amplitude, Harmoniste, Prodige de la Pop et l'écran de chargement à phase spirale qui est atypique pour 2800 VBuck. Le pack Rimmed dans la peau avec Prince des Percus en Anthony Rare, Syncopeur, Réverbération, Atténuateur, Cinglé du Synthé et l'écran de chargement Toc Toc, tout ça pour 2800 VBuck. Ensuite, vous avez toujours le pack équipe étincelante avec Faisceau et son Figure Reflux en tenue hippique, Brillance hippique, donc l'accessoire de dos hippique c'était la Flux, le fil pelé en outil de collecteur rare, les ailes brillantes c'est le petit planeur hippique, et les classes soniques c'est le vêtement d'armes, donc rare, tout ça pour 2500 e-bucks. Hors pack, donc vous avez donc Brillance avec son Stella Flux en épique pour 1500 e-bucks, Faisceau et son Figure Reflux en épique pour 1500 e-bucks également, le fil pelé qui est l'outil de collecte rare pour 800 e-bucks, l'aile brillante, c'est le petit planeur épique pour 1200 e-bucks, les classes soniques, c'est le revêtement d'armes pour 500 e-bucks, donc voilà. Ensuite, vous avez le pack Festa des Innes en tenue épique avec Noctula, donc saison 2, chapitre 2, réactif, les motifs changent quand la musique joue, donc avec ces deux customs. Avec la patronne de la fête, c'est exactement le même ensemble, donc en tenue épique pour 1500 V-Bucks également. Diva de la fête, donc pour 1500 V-Bucks, en tenue épique. Star de la fête en tenue épique également, donc c'est toujours le même ensemble pour 1500 V-Bucks. Ensuite, par contre, vous avez acquitté en tenue rare qui fait partie de l'ensemble Neo Ninja, saison 2, chapitre 2, avec sa place à Scratch, donc qui est réactif. Chaque élimination scratch le disque qui fait briller les lumières, donc voilà tout ça pour 1200 V-Bucks. Le couteau luminescent, c'est son outil de collecte épique pour 1200 V-Bucks. Voilà. Ensuite, vous avez DJ Bebop en tenue légendaire qui fait partie de l'ensemble Folie des Platines, saison 7, premier chapitre avec ses deux customs et sa boule à couleur qui sont accessoires de dos légendaire également pour 2000 V-Bucks. Les bâtons luisants, c'est une petite emote typique, saison 7, premier chapitre pour 800 V-Bucks. Le bâton luisant, c'est son petite collette rare pour 800 V-Bucks. Étincelère, c'est son petit planeur atypique pour 500 V-Bucks. Balance de la sauce, donc ça c'est sa petite emote épique, donc saison 6, premier chapitre, fait partie de l'ensemble Folie des Platines, donc il m'a mentionné que DJ Bebop. Tout ça pour 800 V-Bucks, ça peut la musique les amis, allez on s'ambiance, allez ce matin, allez on s'ambiance, on lâche un maximum de pouces bleus, on fait un repartage les amis, on fait un petit commentaire, ça me fait exactement plaisir, donc ne regardez pas que la miniature, je vous rappelle, la miniature c'est juste le contenu, c'est la boutique du jour de Fortnite, donc regardez-la entièrement les amis, et partagez-la surtout, ça me fait plus plaisir et ça m'aide énormément, sinon si vous regardez juste, je peux avoir beaucoup, 150 vues sur la, juste si vous regardez juste la miniature, ça ne compte pas les amis, donc n'hésitez pas à regarder la vidéo qui va derrière, je vous en... voilà. C'est pas juste pour que vous cliquez dessus, c'est juste pour cliquer dessus que vous regardiez la vidéo, surtout derrière. Alors, tout ça pour 800 V-Bucks. Donc, ensuite, vous avez Fièvre Disco en tenue emote épique. Donc, il faut partir de ce démon de la danse, saison 3, premier chapitre pour 800 V-Bucks. Le Brain Dance, emote épique également, saison 3, premier chapitre pour 800 V-Bucks. Ensuite, vous avez toujours le pack de casier de TF. Des TFU. Avec le patrouilleur en tenue rare, chanceux c'est son petit collette atypique, furtif c'est son petit planeur atypique, la peau sexy c'est sa petite emote rare, et le noir furtif c'est son revêtement d'arme atypique, tout ça pour 1600 V-Bucks. Hors pack, donc vous avez le patrouilleur, donc saison 1 chapitre 1, donc c'est une tenue de patrouilleur rare pour 1200 V-Bucks. La chanceuse c'est son petit collette atypique pour 500 V-Bucks, la peau sexy c'est son emote rare pour 500 V-Bucks également, le furtif c'est son petit planeur atypique pour 500 V-Bucks, noir furtif. C'est son revêtement atypique pour 300 V-Bucks, donc voilà. Ensuite, vous avez toujours le pack de quête du toucher d'or, donc pour 12 euros, donc avec Marida en tenue épique, avec son gambit doré, c'est son accessoire de dos épique. Les dagues dorées, c'est son petite collette atypique. Et les heures dorées, c'est l'écran de chargement atypique. Et vous avez des quêtes supplémentaires pour gagner 1500 V-Bucks, donc en achetant ce pack. Et pour finir, vous avez toujours le pack Ned l'Éternel pour 16 euros, donc avec un accès urbain de sauver le monde. Vous gagnez 1500 V-Bucks en accomplissant les quêtes quotidiennes dans Sauver le monde. Terminez la défense bouclier anti-sommet de base de 3 pour déverrouiller les quêtes quotidiennes et entamer ce pack de défis qui comprend la tenue rare Ned le bouclier, l'accessoire de dos Kevin de la base rare et le détecteur de kit médical qui sont en titre collecte rare. Donc tout ça pour 16 euros, les amis, vous avez un accès permanent et vous gagnez 1500 V-Bucks, donc c'est parfait, moi je pense. Hein. Ce n'est pas négligé, sinon vous pouvez toujours souscrire au club Fortnite pour 12 euros par mois. Vous obtenez le Rocket Pass League grâce à votre abonnement au club. Accédez au Rocket Pass Premium de Rocket League sur les appareils compatibles. Plus d'infos sur fn.gg Rocket League. Vous avez l'ensemble de fidélité depuis le mois de décembre. Donc des objets cosmiques exclusifs au club disposent d'étapes dévorées chaque mois tant que votre abonnement au club est actif. Si vous n'avez pas de combat, vous recevez. Si vous n'avez pas de combat, ils vont vous 150 V-Bucks. Vous recevez 1000 V-Bucks chaque mois à date de facturation du club. Je ne les ai toujours pas reçus depuis le 5. On est le 7 aujourd'hui, donc je ne sais pas.
Et ensuite, vous avez Styx en tenue en cadeau, vous avez Styx en tenue épique avec sa gueule Stygienne qui est son accessoire de dos épique et la trancheuse saturée, c'est son petit squelette rare. Donc voilà, tout ça pour 12 euros si vous souscrivez au Club Fortnite. Donc nous arrivons au terme de cette vidéo. Si celle-ci nous a plu, n'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu parce que j'ai 100 vues, mais je devrais avoir 100 pouces bleus. Mais vous ne regardez pas la vidéo, donc il ne faut pas regarder juste. Je vous rappelle une deuxième fois, ne regardez pas que la miniature, les amis. Il faut regarder la vidéo qui est derrière, franchement, ça m'aide. Beaucoup plus, ça me donne beaucoup plus de force. Donc n'hésitez pas à me donner de la force, les amis. Donc si la vidéo t'a plu, donc le petit pouce bleu, le commentaire, ça fait toujours plaisir. Le partage, c'est obligatoire. Enfin, non, je plaisante. Si vous pouvez le partager à vos amis, à votre famille, franchement, ça me ferait énormément plaisir et ça m'aide vraiment. L'abonnement, si t'es pas encore abonné en bas à droite, c'est totalement gratuit. Tu cliques sur s'abonner, tu peux pas activer la cloche de notification pour être notifié de toutes mes prochaines sorties vidéo. Et pour le soutien, tu le connais, c'est le code de l'été, c'est le code de l'année, c'est le code brasier qui va réchauffer ton hiver et éliminer ton été. Tu mets abcété, moi ça aide vraiment. Et franchement, ça me fait hyper plaisir. Surtout si vous utilisez le code BRASIER, les amis, ça donne plus de chances aussi de gagner des petits cadeaux dans la boutique de Fortnite hein, tous les mois. N'oublie pas, hein, les 5 premiers, ils ont un cadeau. Voilà. Et ensuite, tu as le lien de la boutique officielle de la chaîne si la chaîne te plaît vraiment et que tu veux avoir des objets exclusifs à la chaîne parce que tu les trouveras nulle part ailleurs avec le logo de la chaîne. Donc je vais prendre un petit article quand même. Je vais essayer de prendre un petit article pour vous montrer la qualité. Comme ça, vous verrez. Et ensuite, évidemment, la petite souscription. Si tu veux vraiment aider la chaîne, donc sur ce, je te laisse, passe une bonne journée, portez-vous bien et à bientôt, bye bye!